Ça vous dit de savoir ce que 2022 nous réserve? Alors c'est parti! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette vidéo exceptionnelle puisque je propose ensemble de partir à la découverte des énergies de l'année à venir, à savoir 2022. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes assez anxieux par cette année qui arrive et c'est normal au vu de la conjoncture actuelle. Donc rassurez-vous, on va voir ensemble, on va essayer de démystifier ce qui nous prépare afin que nous-mêmes puissions nous y préparer, à la fois peut-être physiquement, financièrement, moralement, spirituellement. Je vous ai réalisé un tirage assez particulier et atypique puisque je me suis inspiré de ma pratique magique pour vous réaliser la roue de l'année. J'ai donc mis 12 paquets qui vont chacun représenter les 12 mois avec à chaque fois une prédiction. Bien entendu, ça va être très général ce qui va ressortir, ça va être l'énergie principale, ça va être un élément clé, ça va être l'événement le plus marquant du mois. Bien entendu, hein, sur un mois et sur une année complète, il peut se passer énormément de choses. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Là, on fait les énergies à l'instant T, ce qui veut dire que, rappelez-vous, il y a le destin et il y a votre libre arbitre. Votre destin vous emmène sur certains chemins, sur certaines destinations, vous oblige à passer par des étapes qui sont obligatoires pour tirer certains enseignements. Et votre libre arbitre, eh bien, il n'appartient qu'à vous et il peut changer la route, il peut changer le voyage. Je vous prends un exemple très concret. Si je vous prédis demain une promotion dans votre travail, cette promotion, elle est là, elle vous est due, elle doit arriver. Mais vous, sur un coup de tête, vous décidez de démissionner, d'abandonner votre poste et de ne pas vous représenter. Eh bien, vous changez la donne puisque, par conséquent, la promotion qui vous était due, vous allez passer à côté. Voilà. Eh bien, c'est ça la différence entre destin et libre arbitre. Donc on y va tout de suite les amis, sans transition. Je vous précise quelque chose, c'est que la vidéo est à l'envers, ce qui veut dire que midi pour moi va être 6 heures pour vous, je m'explique. Moi par exemple, le mois de janvier va commencer ici en face de moi à midi, mais pour vous sur la vidéo, c'est à 6 heures. N'en tenez pas compte, ça n'a pas d'importance, hein, c'est juste pour moi, je me suis fixé, donc ne vous inquiétez pas, janvier est ici, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on y va tout de suite avec le mois de janvier. Alors, les deux premières lames de tarot, nous avons le roi de bâton et la reine de denier. La reine de denier, ça pourrait nous parler d'une maman ici. C'est une femme nourricière, c'est une femme aisée aussi, c'est une femme en lien avec l'aspect financier. On a deux autorités ici, deux figures d'autorité. Donc ça pourrait nous parler soit que vous allez être mis en relation avec des personnes importantes, pourquoi pas des personnes en lien avec l'administration. Vous avez peut-être certaines démarches à réaliser sur ce mois de janvier. Le roi de bâton en plus nous parle d'une forme ici d'autorité, de maturité, le fait de prendre des décisions, d'être soi-même décidé, de savoir où on va. Peut-être aussi que ça peut symboliser une forme d'obstination, puisque à partir du 31 décembre, on va faire des résolutions, hein, la plupart des résolutions que l'on ne suit pas d'ailleurs, mais peut-être justement que vous allez suivre ces résolutions, que vous êtes décidé à mettre en place certaines choses et que rien ne vous arrêtera. Et vous pourriez ici avoir l'appui d'une femme bienveillante, d'une femme qui a un certain pouvoir. Alors, ce pourrait être un pouvoir d'ordre émotionnel, par exemple votre maman, une grand-mère, votre sœur, quelqu'un qui pourrait vraiment vous accompagner, vous aider, vous soutenir. Ça pourrait être une personne qui a un véritable pouvoir administratif, type assistante sociale ou quelqu'un qui est placé dans la société, qui va pouvoir démarcher, qui va pouvoir faire des choses entre guillemets à votre place ou qui va avoir un pouvoir d'agir, un pouvoir aussi pour appuyer votre demande, vos requêtes, ce dont vous avez besoin. Mais ici pour moi, je vois vraiment un aspect d'être déterminé, de réaliser les choses, de commencer à mettre en place les choses, de ne pas tarder. J'ai le sentiment et la conviction que vous n'avez pas envie
vie que les mois défilent, comme si vous étiez à la fois pressé. Alors ça peut être pour deux possibilités. Soit vous êtes pressé, soit vous êtes un peu pris à la gorge et par conséquent vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de vous précipiter. Mais le mois de janvier pour moi va commencer plutôt sur les chapeaux de roue. Ensuite, nous avons la carte du despotisme. Alors effectivement, ici, ça me fait vraiment penser à une fin d'année qui est compliquée, qui est un peu comme si on se sentait en prison. Bah, c'est plus ou moins le cas, j'ai envie de vous dire, selon les pays où vous habitez. Mais je vais rien dire d'autre parce que sinon je vais être encore striké. Donc, effectivement, on peut avoir ce sentiment d'être prisonnier, de ne pas être libre, de pouvoir faire ce que l'on a envie. Mais justement, au mois de janvier, vous avez envie de changer tout ça. Vous avez envie de reprendre les choses entre vos mains. Vous avez envie de reprendre toute votre vie entre vos mains. Et vous avez envie aussi de vous délivrer, de vous libérer de ces liens, de toutes ces attaches. Donc, il est possible aussi que ça nous parle de choix, de décisions que vous allez entreprendre pour votre bien, pour votre liberté. Vous allez vous mettre en démarche de certaines choses pour devenir indépendant sur certains plans. Alors, ça peut être un plan financier, émotionnel, peu importe, mais ici pour moi il y a vraiment un sentiment d'en finir avec cet aspect de précarité pour devenir beaucoup plus libre et beaucoup plus indépendant. Les anges nous disent « Vous êtes sur la bonne voie ». Eh bien, c'est super positif ça les amis. Vous êtes sur la bonne voie, autrement dit que tous les efforts que vous êtes en train de mettre en place, on va vous faire comprendre sur le mois de janvier que vous êtes soutenu, que vous êtes aidé. On va vous envoyer des petits signes qui vont vous montrer que vous avez pris la bonne décision, le bon choix, que vous êtes sur la bonne voie. Et par conséquent, ça va vous motiver à continuer. Donc, il va falloir persévérer et s'accrocher. Et ça va vous donner aussi l'envie de persévérer et de vous accrocher si justement la vie vous envoie des signes pour vous dire c'est bon, là c'est bien, tu as pris le bon choix, tu es sur la bonne voie, continue comme ça, tu vas voir, tu ne pourras que prospérer. Et nous avons la carte de la fissure ici qui pour moi aussi pourrait me parler d'une forme de rupture, une cassure nette, quelque chose qui va se terminer. Comme si vous en aviez aussi assez de vivre dans cette situation, vous avez le cœur qui est comme fissuré de partout, vous êtes blessé, vous êtes quelqu'un de meurtri, vous avez beaucoup souffert sur 2021, voire sur 2020, et ça j'ai envie de dire c'est un peu tout le monde parce qu'il faut quand même dire la vérité, mais depuis 2020 et 2021, costaud hein, franchement, là on est au level 8 de Jumanji même. Hein. Donc vous commencez à en avoir sérieusement marre et il y a certaines failles qui commencent à apparaître très sérieusement. Des failles qui vont vous conduire à prendre des décisions parce que vous n'avez pas envie que ça continue de tout fissurer et puis de sombrer dans un gouffre. Non, vous avez envie de vous relever, vous avez envie de vous battre, vous avez envie de réussir. Et bien là, on nous parle justement de ça, c'est-à-dire que janvier pourrait être peut-être le mois de l'introspection pour vous faire comprendre que voilà, il y a des choses que vous ne pouvez plus accepter, vous ne pouvez plus les tolérer, et il est grand temps maintenant de faire un vrai travail sur vous, un travail de profondeur pour d'une part réparer ces failles une bonne fois pour toutes, pour faire un sol bien plat afin de pouvoir construire de nouvelles fondations pour de nouveau vous élever. Et pour la petite prédiction de janvier, nous avons un lourd fardeau à porter. Et oui, je crois que ça résume tout. Donc, il va vraiment falloir faire le point sur le fardeau que vous portez. Accepter que vous portez aussi ce fardeau parce que parfois, on se voile un petit peu la face. Hein, on se dit, non, moi, je suis fort, j'ai le dos large, je suis capable. Ben non, non, il y a un moment donné où le corps et l'esprit, ils sont plus capables et il faut aussi reconnaître que nous sommes des êtres humains et que nous avons des failles, des faiblesses et que par moment, quand il y en a assez, il y en a assez et il faut savoir aussi le dire, il faut savoir dire stop, il faut savoir se protéger, il faut savoir reconnaître que l'on est faible. C'est comme ça qu'on va pouvoir travailler sur nos faiblesses pour pouvoir devenir plus fort. Allez, maintenant on passe au mois de février. Alors, février, nous avons le 8 de bâton et la reine de bâton. Ah, ici on nous parle de décisions qui vont être rapides. Il est possible que février soit la suite logique du mois de janvier, à savoir le 8 de bâton représente vraiment tout ce qui est rapidité, les choses qui se font rapidement, les décisions qui se prennent rapidement, mais aussi ça peut être des réponses, puisque regardez, on a la reine de bâton tout de suite derrière. Donc on nous parle d'actions et de choix qui ont été pris et qui vont prendre une dynamique rapide. Donc il se peut que les choses que vous ayez mis en place en janvier ou les volontés que vous avez faites pour le mois de janvier, dès le mois de février, vous allez commencer à sentir certains effets puisque les choses vont se faire rapidement. Imaginons, moi je sais pas, que vous déposiez un dossier pour X ou Y truc, eh bien vous allez peut-être obtenir la réponse très rapidement. Ce dont vous avez besoin arrivera aussi rapidement.
Et tout pourra se faire très rapidement. Je vous prends un exemple très concret, ça vous parlera mieux. Imaginons vous fassiez une demande de crédit. On sait que les crédits, en principe, c'est long. Et bien là, du moment où vous allez faire la demande, la réponse pourrait être rapide, l'accord principe pourrait être rapide, ensuite la réponse pourrait être rapide, le déblocage de l'argent pourrait être aussi rapide, la décision finale sera prise rapidement, vous voyez, et les choses, du coup, pourront se faire très rapidement. Pour moi, ici, je vois vraiment des prises de décision qui vont être rapides, des réponses qui vont être rapides, peut-être parce que vous allez présenter quelque chose qui est clair et par conséquent, il n'y a pas besoin de délibérer pendant 107 ans. Je veux dire, si on a un dossier qui est complet avec tous les arguments, avec tout, la décision peut se prendre très rapidement. Mais pour moi ici, il y a vraiment cet aspect de choses qui vont se faire promptement, qui vont se faire rapidement, qui vont aussi prendre un élan, hein, sans effort, dans une amplitude vraiment très naturelle. Vous obtiendrez les réponses. Alors attention, ça peut être des réponses positives comme négatives, hein. Là, je vous parle juste de rapidité dans les réponses. C'est pas forcément positif. Mais dans tous les cas, la rapidité des réponses pourra vous permettre de rebondir rapidement. C'est-à-dire que si on vous dit oui, eh bien c'est cool, vous allez pouvoir mettre en place votre projet. Si on vous dit non, eh bien tant pis, mais vous allez vite rebondir pour chercher autre chose et pour faire autre chose, pour démarcher d'autres choses. Donc dans tous les cas, que la réponse soit oui ou négative, ça vous permet de rebondir rapidement pour pouvoir enchaîner rapidement les choses. Ensuite, nous avons la maladie. Ah, attention, maladie. En même temps, j'ai envie de dire, c'est un peu logique parce que c'est vrai que le mois de février, c'est un mois assez propice, hein, parce que le mois de février, c'est souvent le mois où il fait quand même assez froid, où la neige revient en abondance, voilà. Et forcément, si vous êtes dans cette activité de bouger, etc., ça peut être physique ce que je suis en train de vous dire, hein. C'est-à-dire que si vous êtes dans une activité physique, si vous avez repris une activité ou si vous faites que courir pour réaliser vos démarches, etc., vous pourriez être amené à avoir chaud, à vous découvrir, à faire moins attention et par conséquent à prendre froid. Ça peut aussi nous parler d'une suractivité, d'un surmenage, hein. C'est-à-dire que oui, faire des actions, prendre des décisions, c'est bien, mettre les choses en action, c'est bien aussi, mais attention à ne pas non plus vous épuiser parce que à vouloir trop en faire, on finit par ne rien faire du tout parce que notre corps parfois ne suit pas. Donc écoutez ici au mois de février votre corps, s'il vous dit qu'il commence à être fatigué, s'il vous dit qu'il va falloir stopper, alors peut-être pas stopper mais ralentir en tout cas. Soyez à l'écoute de votre corps. C'est votre corps, n'oubliez pas que c'est votre corps, votre voiture, hein. Et si la voiture a décidé de ne plus fonctionner, ben vous n'irez plus loin, hein. Vous n'irez nulle part en fait, hein. Donc écoutez bien votre corps, soyez attentif à votre corps, n'accélérez pas les choses qui n'ont pas besoin d'être accélérées. Il faut aussi savoir suivre le cours du temps. Pour les choses qui se font rapidement, tant mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire d'un coup. Et surtout ne vous éparpillez pas, ça c'est important, parce que très souvent lorsqu'on veut en faire, qu'on veut être de partout, on est partout et nulle part à la fois, hein. Oui, forcément, si vous essayez de faire à la fois un gâteau, un rôti, une entrée, mettre la table, etc., il y a un moment donné où ça va ressembler à rien, hein, le repas. Donc il vaut mieux se concentrer point par point, faire les choses étape par étape, plutôt que de vouloir tout faire et se disperser. Nous avons le message des anges qui nous parle « Laissez le passé derrière vous ». Encore une carte qui fait référence au fait de faire peau neuve, de prendre des décisions, d'être dans une action de changement, d'évolution. Donc pour le mois de février, il va vraiment falloir accepter ou peut-être que les réponses que vous allez obtenir vont vous permettre de pouvoir laisser votre passé derrière vous, hein. Dans tous les cas, ici, au mois de février et en plus… Ça tombe bien parce que mois de février c'est Imbolc et justement ça me permet de faire ma transition avec la carte des festivités. Le mois de février est marqué par le sabbat d'Imbolc, hein, qui est le 1er et le 2 février et qui symbolise la renaissance du printemps. On n'est pas tout à fait encore au printemps mais on n'est plus tout à fait en hiver. On commence à sentir de nouvelles choses qui arrivent, la nature tout doucement se réveille, on a des petites choses qui commencent à pousser dans les prés comme par exemple les persenneiges, hein. On a 2-3 fleurs comme ça qui reviennent. Donc on sent ce renouveau qui est en train de se faire. Le mois de février pourrait symboliser l'aspect de festivité, mais pour moi aussi l'aspect de bonnes nouvelles, peut-être des nouvelles à fêter, à célébrer. Donc quand je vous disais attention, c'est pas forcément positif ou négatif les nouvelles que vous allez obtenir, là on a quand même une carte positive qui pourrait nous annoncer qu'il y a des nouvelles à fêter, des choses qui vont mettre notre cœur en fête et qui vont nous donner envie de célébrer. Donc en principe, je ne sais pas vous, mais moi je célèbre les bonnes nouvelles, hein. Je célèbre rarement quand je reçois 200 balles d'électricité. Je me dis pas ah cool,
cool, je peux pas la payer, allez champagne. Non, en principe, c'est les bonnes nouvelles qu'on fête. Hein. Donc là, ça peut être un indice pour nous dire qu'au mois de février, vous pourriez avoir une réponse, une bonne réponse, une bonne nouvelle qui marquera la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau. Et la petite prédiction, une action à entreprendre. Bon, bah, vous voyez, hein, les amis, les cartes ne trichent pas, elles sont vraiment toutes cohérentes les unes avec les autres, puisqu'on nous parle d'actions à entreprendre. Donc les actions à entreprendre, ça peut être plein de choses, hein, je vais pas toutes vous les citer, mais ça peut être des actions sociales, des actions financières, des actions professionnelles, des actions amoureuses, des actions en règle générale dans votre vie, hein, puisque lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on fait des choix, on est dans des actions à entreprendre. Donc le mois de février, janvier et février, franchement, ça démarre fort, puisque on démarre vraiment sur les chapeaux de roue avec plein de bonnes résolutions, plein de bonnes motivations et on met les choses en place. Le mois de mars maintenant, mois de mon anniversaire, hein, pour ceux qui veulent me faire un petit cadeau, c'est le 19 comme ça, voilà, je vous glisse ça comme ça, hein, jusque, voilà. Allez, le mois de mars. Le mois de mars, nous avons le roi d'épée et le 8 de denier. Alors décidément, on est encore dans une prise de décision, quelque chose en lien avec le financier cette fois-ci. Au mois de mars, vous allez avoir des décisions à prendre. Vous allez devoir trancher par rapport à quelque chose d'ordre financier. Ça pourrait être la fin. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Est-ce que là aussi, il ne va pas falloir prendre une décision par rapport à quelque chose qui grignote votre budget? Parce que le mois de mars, vous allez être dans une dynamique de rentrée d'argent. Il y a une forme d'abondance qui va se faire, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et en même temps, j'ai le sentiment que cette forme d'abondance qui arrive va être gaspillé dans des choses futiles. Je sais pas, je vais prendre un exemple très concret. Imaginons que vous ayez un nouveau travail, vous avez une bonne paye et que financièrement ça va beaucoup mieux, mais le problème c'est que vous dépensez dans des choses qui ne sont pas utiles parce que vous dites cool, je travaille maintenant, j'ai une bonne paye donc je peux me faire plaisir. Oui et non, attention. Alors c'est normal de vouloir se faire plaisir, c'est normal de dépenser son argent quand on a travaillé, mais c'est quand même bête d'avoir autant galéré tous ces mois, de réussir à avoir un peu d'argent et de finalement ne même pas en mettre de côté, même pas en profiter pour les coups durs, prévoir le au cas où et tout dilapider dans des choses qui soient futiles, vous voyez ? C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Donc attention de ne pas dépenser votre argent, attention plutôt de voilà, faites-vous plaisir quand il faut vous faire plaisir, voilà, de temps en temps, c'est tout à fait naturel et c'est justifié, c'est légitime, mais attention aussi à être juste et à trancher, à prendre les bonnes décisions en lien avec le financier si vous voulez que votre abondance continue à prospérer, d'accord? Parce que là pour moi j'ai le sentiment de quelque chose qui peut monter, quelque chose qui peut être exponentiel, mais si vous faites n'importe quoi, vous allez retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes galères, donc on fait attention, hein, surtout là. Le roi d'épée ici, pour moi, ça me fait vraiment penser d'une part à un aspect de justice. Je sais pas pourquoi ça me fait penser, vous savez, comment ça s'appelle, un tuteur, un curateur. Voilà, comme si vous n'étiez pas capable de gérer votre budget. Par conséquent, on va vous prendre ce budget et on va le gérer à votre place, hein, pour vous faire comprendre que voilà, tu fais n'importe quoi, c'est pas la peine. Donc c'est moi qui vais m'occuper de tes comptes, hein, et comme ça au moins je sais exactement ce que tu dépenseras. Bah, c'est vraiment le ressentiment que j'ai ici. C'est-à-dire, ne permettez pas que ce soit d'autres qui gèrent votre budget, mais faites en sorte que ce soit vous qui gériez votre budget, surtout que là, on a une abondance qui peut se mettre en place. On a des sous, hein, on a des pépettes, il y a un aspect matériel. Le mois de mars, en même temps, c'est connu, hein, souvent on le dit, un mars et ça repart. Donc, effectivement, le mois de mars pourra vraiment s'annoncer ici comme un renouveau, un nouveau départ même sur l'aspect financier et sur l'aspect de prospérité. Ensuite, avec le Béline, nous avons le hasard, la chance. Eh ben oui, les amis, voyez, ici, quand je vous disais un nouveau travail, le mois de mars pourrait s'annoncer comme un nouveau travail. Pour ceux qui recherchent du travail, vous allez peut-être trouver un nouveau travail ici. Ou alors, vous allez bénéficier d'un gros coup de chance, d'un gros coup de pouce, une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif, donc sachez saisir votre chance. Les anges nous disent une belle rencontre à venir. Ça, c'est beau, ça. Ça veut dire que si vous êtes célibataire, ça peut prédire ici une rencontre amoureuse. Si vous êtes au chômage, ça peut prédire un nouveau travail. Ici, on a vraiment une belle rencontre, quelque chose qui va marquer le mois de mars.
Et enfin, avec l'oracle Yoli Lune, on a la carte de la fin. Et bah oui, c'est logique. Vous voyez, donc ce qui veut bien dire que janvier, février, on est un peu encore dans les galères. C'est pour ça qu'on met en place les choses, qu'on prend des décisions, qu'on est dans une phase d'action. Et le mois de mars marquera vraiment la fin de quelque chose, la fin de ce cycle, la fin d'une situation compliquée. Si vous êtes au chômage, et ben ça sera la fin du chômage. Si vous êtes célibataire, ce sera la fin du célibat. Voilà, là on marque vraiment la fin de quelque chose. Et la petite prédiction, nous avons une situation du passé qui revient. Attention les amis aux vieux démons qui ressurgissent, on vous l'a dit ici de mettre un terme avec le passé. Donc faites attention au mois de mars de ne pas retomber dans vos vieux travers, faites attention de ne pas faire ressurgir vos vieux démons. Lorsqu'on évolue, lorsqu'on change, lorsqu'on part sur quelque chose de nouveau et de neuf, on accepte de dégager tout le passé et on ne revient pas dessus. Alors oui, c'est vrai que le changement, il peut être difficile parfois quand on prend certaines décisions ou certains choix. On peut être pris par la nostalgie, par le regret, etc. Mais non, les amis, ne lâchez rien et ne permettez pas à ce que cette situation du passé revienne. Attention, situation du passé peut symboliser un cercle vicieux, quelque chose que vous connaissez bien et dans laquelle vous allez retomber. Donc, vigilance au mois de mars. Au mois d'avril. Le mois d'avril. Alors, nous avons le 3 d'épée et le roi de denier. Alors, ça nous parle encore de choses en lien avec l'argent. Ça nous parle encore de ça. Ici, pourquoi ça m'évoque ça ? Je sais pas pourquoi, je suis en train de penser à de l'argent qu'on devrait... Peut-être une somme. Alors, c'est peut-être ça la situation du passé, ce que je viens de vous dire par rapport au mois de mars. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un au mois de mars qui va ressurgir dans votre vie en vous disant « Hey, tu te souviens de moi, tu me dois tant. » Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Je sais pas pourquoi je suis en train de penser à ça. Ça pourrait être aussi une personne intéressée. Ben oui, parce que si vous venez de trouver un bon travail, que dans votre vie ça va mieux, ou alors que vous avez une certaine notoriété, ou voilà, que vous avez un certain petit statut, ça attire les vautours, ça c'est bien connu. Donc attention aux personnes intéressées qui vont revenir vers vous, ça sera par pur intérêt, que ce soit des amis, des ex, peu importe, mais si vous avez des personnes qui reviennent vers vous, qui coïncident avec votre nouveau statut, avec votre nouvelle vie, méfiez-vous, ici ce sera davantage des vautours dont il faudra se méfier que véritablement des personnes qui seront sincères et honnêtes. Donc là encore, vigilance. Ensuite nous avons, regardez la carte de l'amour, c'est pas beau ça? Bah voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? En même temps, c'est normal, c'est logique, le mois d'avril, on est en plein dans le printemps, donc ça sent l'amour, l'amour est là, les fleurs, les animaux sont en rut, c'est l'amour. Mais la carte de l'amour ici est vraiment quelque chose de positif pour ceux qui sont célibataires, c'est-à-dire que vous pourriez soit rencontrer, mais sachant qu'on a eu la rencontre ici, donc soit vous allez vivre une jolie idylle qui va commencer au mois de mars et qui va se continuer au mois d'avril, soit ça pourrait être vraiment le grand amour ou un amour sincère avec qui vous allez le vivre. Donc un amour sincère, c'est pas forcément le grand amour, mais ça peut être un amour qu'on va vivre pendant 1 an, 3 ans, 10 ans, peut-être toute une vie, mais voilà, en tout cas ça pourrait être un amour sincère. Pour les couples, ça pourrait nous parler d'un renforcement aussi, les sentiments qui vont se renforcer. Effectivement, si la situation se décante là en début d'année, et que certains soucis qui étaient dans la tête et qui polluaient un petit peu le couple, eh bien si ces soucis-là sont réglés, automatiquement le couple s'en portera que mieux. Nous avons de la part des anges des obstacles et difficultés. Oui, c'est pas parce que la vie est belle que on est débarrassé de tout. Mais j'ai envie de dire que vu les cartes là qui sont présentes, ça me semble pas être des obstacles et des difficultés vraiment insurmontables, peut-être plus des petites emmerdouilles, voilà, des petits grains de poussière comme ça, des petits grains de sable qui viennent se mettre dans nos rouages, voilà, des petites choses qui sont un peu embêtantes, qui sont un peu désagréables, mais qui ne freineront pas forcément notre avancée, mais voilà, qu'il faudra prendre un petit peu au sérieux et qu'il faudra nettoyer et surtout...
faire en sorte que ça n'évolue pas plus, d'accord? Essayez de... c'est comme les mauvaises herbes, ça. Les mauvaises herbes, si on les prend dès la racine, si on les prend toutes jeunes, toutes bébés, c'est quand même plus pratique de les arracher plutôt que de les laisser pousser, envahir tout le jardin. Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, pour moi, ici, ça serait ça. Par rapport à ces difficultés, ne vous laissez pas envahir et régler le problème dès qu'il se présentera. Et pour la carte de Yoli Lune, nous avons la motivation. Et regardez, en plus, fait exprès, nous avons un monsieur qui est en train de pousser une grosse botte de foin. Et ça me fait vraiment penser ici aux difficultés et aux obstacles. Parce que regardez, en plus, l'obstacle, on l'a ici avec la montagne. L'obstacle, on l'a là quand même, parce que la pente semble très raide. Hein. Et ce monsieur est en train d'user de toutes ses forces pour pousser tout en haut cette meule de foin. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être ici la symbolique des efforts que vous allez faire au mois d'avril. Eh bien, continuez, ne lâchez rien. Ne laissez rien passer. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de réaliser des efforts. Imaginons, je prends un exemple, vous avez pris comme résolution de retourner à la salle de sport, de reprendre soin de votre corps, reprendre un régime alimentaire, etc. Ça demande et ça exige des efforts de votre part. Eh bien, ne lâchez pas ces efforts. Hein. Si, je sais pas, peut-être qu'au mois d'avril, tous les restaurants pourront ouvrir à tout le monde. Donc, peut-être que vous allez vous jeter et faire toute la tournée des restaurants. Non, ce serait dommage parce que vous allez gâcher tous les efforts que vous aurez fait sur les mois précédents. Donc, non, continuez vos efforts, continuez dans cette motivation. Et notre petite prédiction, nous avons un achat à prévoir. Alors l'achat à prévoir, ça peut nous parler d'un achat utile, hein. Ça peut être, je sais pas, moi, la voiture a changé, la machine à laver a changé, la garde-robe a renouvelé. Oui, parce que si vous venez d'avoir un travail et que vous vous habillez qu'avec des vieilles frusques alors que votre travail c'est d'être en relation avec des clients, bah effectivement faire 2-3 achats pour renouveler sa garde-robe, c'est un investissement qui pourrait être utile là par exemple, hein. Mais voilà, pour moi ce sont des achats dans ce style là, des achats qui seraient utiles, des achats à prévoir, des investissements qui seront pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dépenses inutiles, vos achats seront utiles et ils auront une utilité. Allez, on passe maintenant à avril-mai. Alors, en mai, fais ce qu'il te plaît. Eh bien, c'est le cas de le dire, voilà, en mai, fais ce qu'il te plaît, les cartes sont d'accord avec moi. Nous avons le 9 de coupe et le 2 de coupe. Ouh, ça parle de mariage, non ? Les amis, ça pourrait nous parler d'union officielle, ça pourrait nous parler de mariage, de personnes qui s'unissent, ça pourrait nous parler d'association, ça pourrait nous parler de travailler en contrat. Il y a ici un aspect quand même de bonheur, puisque le 9 de coupe, hein, on est bientôt sur l'aboutissement, sur quelque chose qui se termine. Et dans la famille des coupes, on nous parle d'un bonheur, de sentiments, d'émotions, etc. Donc pour moi ici, ça me parlerait soit d'un mariage possible, soit d'une officialisation, peut-être, et j'ai envie de dire c'est logique, hein. Au mois de mars, on faisait la rencontre, en avril, ça se passait bien, on filait le parfait amour, et pouf, au mois de mai, on se marie. Bon, c'est quand même un petit peu rapide, hein. Laissez-vous un petit peu de temps quand même, hein. Non, mais pas que mariage, ça pourrait nous parler d'une mise en ménage, d'annoncer officiellement qu'on est en couple, ça peut être un partenariat, ça peut être des personnes qui s'associent, un duo, un groupe. Il y a vraiment ici pour moi quelque chose en lien avec le bonheur, quelque chose que l'on va fêter, et c'est quelque chose qui va permettre de lier deux personnes ou un groupe de personnes, hein, parce que ça peut être ici une personne physique avec une personne morale. Donc du coup, ça pourrait être, pourquoi pas, quelque chose lié à une entreprise, encore une fois, hein, une association avec une entreprise. Mais en tout cas, ça va entraîner ici un grand bonheur pour le mois de mai, donc il y a une très bonne nouvelle. En plus, regardez ça, pour le Béline, on a la carte des présents, des cadeaux, donc effectivement, ça peut évoquer beaucoup de choses, hein. Si c'est une mise en ménage, par exemple, un emménagement, la carte des présents pourrait nous parler d'une crémaillère, de cadeaux. Si c'est un mariage, eh bien, évidemment, ça parle de cadeaux. Pourquoi pas, je viens d'y penser, pourquoi pas, ça pourrait nous parler de l'annonce d'un bébé aussi, pourquoi pas, donc cadeau aussi, mais oui, pourquoi pas, oui, c'est vrai qu'un bonheur qui serait né d'un couple, surtout que, regardez en plus la jeune fille sur la carte, on a l'impression qu'elle est un peu enceinte, hein, quand même, hein. Je trouve que sa robe est un petit peu enflée au niveau du bidou. Donc peut-être aussi que ça peut nous annoncer ici un bébé. C'est possible, c'est possible. Ensuite,
Oh, ben regardez, les anges nous disent, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc soyez rassurés pour le mois de mai, on a un joli message, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, hein. Tout se passera bien, cessez de vous inquiéter et profitez. Profitez comme le 9 de coupe est en train de le faire, regardez. Lui, il est hein, tranquille, hein. Il est bien, hein. Il se fait pas de soucis. Hein. Et ben vous, c'est le même principe, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, profitez tout simplement. Et nous avons, ah évidemment, 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 on a une petite chose pour nous contrarier. Nous avons la carte de l'accident. Donc attention, vigilance. Vigilance, et j'ai envie de vous dire que ça paraît logique parce que lorsqu'on est trop euphorique, lorsqu'on est trop heureux, eh bien on a tendance à baisser notre garde, on a tendance à ne pas faire attention, à être moins vigilant, et ça peut nous conduire à certains accidents. Donc ici, ça peut nous parler d'un accident réel, ça peut nous parler aussi d'une forme d'imprévu, peut-être quelque chose qui ne se fera pas, qui va prendre du retard par conséquent, hein, parce que l'accident, il faut pas voir que l'accident. Quand on a un accident, automatiquement, ça nous retarde sur ce qu'on a prévu. Hein. Donc ça peut nous parler ici d'une forme de retard. Imaginons, moi je vous parlais de mariage ici, peut-être que le mariage, vous allez pas pouvoir le faire au mois de mai parce que pour X ou Y raison, vous allez être obligé de le décaler, ou alors il y aura un petit contretemps. C'est pas forcément méchant, mais voilà, ça peut embêter. Par contre, l'accident, il peut être plus ou moins important, donc vigilance sur le mois de mai. Et pour la petite prédiction, ce n'est pas le moment idéal pour réaliser ceci. Et ben voilà les amis, donc on peut rayer l'accident et on va plutôt conserver l'aspect de retard, quelque chose qui ne se fera pas dans les temps. Voilà, il va falloir soit le décaler, soit ça va être retardé, mais ici c'est pas le bon moment, hein. Et en même temps j'ai envie de dire que c'est logique, ça colle bien avec le message des anges qui nous disait profitez, ça va bien se passer, donc arrêtez de vous inquiéter, profitez simplement. Autrement dit, si les choses ne se réalisent pas à ce moment-là, c'est pas grave, oulala, on profite, on s'inquiète pas, ça se fera pour le mois suivant ou le mois d'après, c'est pas important, c'est pas grave, y a pas mort d'homme. Allez, maintenant pour le mois de, je sais plus où on en est moi, janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça y est, on est déjà au solstice d'été, c'est formidable, hein, on l'a pas vu passer cette année moi je trouve. Allez, le mois de juin. Mois de juin, nous avons le 7 de coupe et le monde. Oh, bah voilà, tout est très bien. Alors non, mais ça m'arrange pas parce que si tout est très bien, ça se termine au mois de juin, ça veut dire que les mois suivants, ils sont moins cool. Alors, le 7 de coupe ici nous parle de choix à faire, mais de choix qui pourraient être judicieux, de choix qui pourraient vraiment terminer le cycle de fin que vous avez commencé là au mois de janvier. C'est-à-dire qu'en plus, on est au milieu de l'année, hein, on a 6 mois qui se sont écoulés. Donc là, si vous êtes dans des démarches, si vous avez des choses particulières que vous commencez au mois de janvier, sachez que ça se terminera au mois de juin. Au mois de juin, tout ce que vous aurez commencé va se terminer et vous serez sur une phase de récolte. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez planté sur le début de l'année, tout ce que vous aurez comme ça, eh bien, entretenu au fil des mois, va se terminer sur le mois de juin. Alors, va se terminer, je me comprends quand je dis va se terminer, c'est-à-dire que, imaginons, je reprends l'exemple du travail. Vous avez trouvé un travail janvier, février, mais comme vous étiez au chômage, vous avez quelques dettes à régler et grâce à votre salaire et au fait d'avoir fait attention à vos dépenses, vous avez pu purger toutes vos dettes et là, au mois de juin, ça y est, c'est fini, vous avez plus de dettes, les loyers sont à jour, les factures sont à jour, tout est à jour et il vous reste de l'argent. Vous voyez, comme pour marquer, voilà, la fin d'une galère. Donc du coup ici ça pourrait être des choix, mais des choix peut-être des choix passés, c'est-à-dire que grâce aux choix que vous avez faits, les choix que vous avez pris, les décisions que vous avez prises, ça vous conduit à enfin terminer quelque chose, terminer un cycle. Nous avons... Moi qui vous parlais de mariage, regardez, on a la carte de l'union. Donc ici, on nous parle vraiment, encore une fois, de quelque chose qui va s'officialiser. Peut-être que c'est logique, hein. Souvenez-vous, au mois de mai, je vous parlais d'une union, mais peut-être que c'était pas le bon moment, et on nous l'a bien dit, ce n'est pas le bon moment, et il y aura un retard. Et bien du coup, ce retard pourrait être décalé sur le mois de juin, et c'est au mois de juin que les choses vont pouvoir se faire. Et... les cartes sont pleines d'humour. Il n'est pas trop tard, c'est le message des anges, vous voyez? Quand je vous disais, là, au mois de mai, ce n'est pas le bon moment pour le faire, et au mois de juin, c'est pas trop tard encore pour le faire. Donc, vous pouvez le faire au mois de juin. Écoutez, j'ai envie de vous dire, autant jouer la prudence, ne prévoyez rien pour le mois de mai, et faites-le directement pour le mois de juin, hein, puisqu'on sait qu'au mois de mai, ça pourra pas se faire. Donc, autant directement le programmer pour le mois de juin. Et pour la petite carte, ici, on a une réponse, la réponse non, si vous posiez une question.
Voilà, c'est un nom. Un nom, vous l'interprétez comme vous voulez. Et pour la petite prédiction, une grande abondance. Vous voyez, ça vient corroborer mes dires, à savoir que sur le mois de juin, on va vraiment être sur la fin de quelque chose. Ça va se terminer, un cycle va se terminer et on va vraiment pouvoir commencer à profiter des récoltes. Tout ce qu'on a planté, on va commencer à pouvoir les récolter et pouvoir profiter. Mois de juillet. Alors, le mois de juillet, nous avons... Alors, c'est quand même drôle. Excusez-moi. C'est drôle parce que je viens de voir la carte de la nativité et on a l'as de bâton. Et fait exprès, l'as de bâton marque le début de quelque chose, justement, le début de nouvelles actions. Et c'est logique, là encore, puisque on vient de finir le mois de juin avec le monde. Donc, le monde, hein, c'est la dernière carte, c'est l'arcane majeur numéro 21. Donc, on revient au fou après. On recommence un nouveau cycle. Et là, justement, on revient sur un nouveau cycle avec l'as de bâton. Donc, de nouvelles décisions à prendre, de nouvelles actions à mettre en place. Ça pourrait nous parler d'une nouvelle passion aussi qui pourrait se réaliser, se concrétiser. Et la passion ici, c'est drôle parce que moi qui vous parlais de grossesse là, peut-être ici que ça pourrait nous parler d'un accouchement. Parce qu'on a quand même la nativité. On a la nativité et on a le chariot ici. Donc, alors, deux possibilités. Soit ça nous parle effectivement d'une naissance physique. Alors je me doute, ça va parler qu'à certaines personnes, hein. Vous n'allez pas tous accoucher, vous n'allez pas tous devenir parents au mois de juillet. Enfin, si jamais c'était le cas, franchement écrivez-moi, hein, parce que si vous êtes 7000 au mois de juillet à devenir parents, c'est exceptionnel. Hein. Non mais ici ça nous parle... Donc, soit d'une naissance, comme je l'ai dit, d'une nouvelle passion. Donc, une naissance est quelque chose qui va venir chambouler votre vie. Bah oui, effectivement, hein, l'arrivée d'un bébé, en principe, ça chamboule un petit peu la vie. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus juste deux personnes, mais on devient trois personnes, dont deux personnes qui sont plus des simples, pas, enfin, qui sont plus des simples humains, mais qui sont devenus des parents. Hein, et on sait que quand on devient parent, ça change de statut. C'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on ne faisait pas avant. Il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fera plus jamais. Ah, donc très clairement ici, ça peut nous parler d'un mouvement dans la vie, d'un chamboulement dans votre vie. Donc soit une nouvelle passion, soit, pourquoi pas, ça pourrait nous parler d'une nouvelle romance. Hein, peut-être que ça s'est mal passé avec votre Jules ou votre Juliette et que par conséquent ça s'est terminé. Eh bien, au mois de juillet, vous remettez le couvert. Ça pourrait nous parler de ça. Mais ça peut nous parler aussi de nouvelles actions à entreprendre. Soit vous allez vous mettre à bouger. Alors, pourquoi pas, ça pourrait nous parler de vacances. Pourquoi pas, même si honnêtement, ça me parle moyennement les vacances. Mais ici, ça pourrait nous parler aussi de voyage, une envie de découvrir les choses, une envie de partir à l'aventure, partir explorer de nouvelles choses. Peut-être aussi que ça pourrait nous parler d'une forme de promotion au sein de votre travail. Hein. Si effectivement, votre patron est vraiment très content de vous et que les choses se passent très bien, ou alors, je sais pas, ça peut être un départ à la retraite. Ou tiens, bah, on parlait de maternité. Peut-être que vous allez apprendre que Martine part en congé maternité et qu'il faut la remplacer. Et par conséquent, c'est vous qui allez hériter du poste. Ou alors, on va rechercher quelqu'un et c'est vous qui allez être pris pour faire ce remplacement de congé maternité. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça peut nous parler de ça, parce qu'en plus, la nativité ici, on a quand même un contrat, hein, sur la carte. Donc ici, ça peut nous parler d'un contrat. Donc soit, pourquoi pas, un contrat de mariage, un contrat de naissance. Ça peut être un contrat professionnel aussi. Ça peut être des papiers, comme je le disais, le fait de partir en voyage, le fait de partir en déplacement. Ça peut être des papiers type passeport, des choses comme ça. Mais le mois de juillet sera marqué par quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles actions, il y a des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Des nouvelles choses ou des choses qui vont gagner en supériorité. Ensuite, nous avons le message des anges, demandez de l'aide. Et oui, n'ayez pas peur, puisque effectivement, si vous héritez d'un nouveau statut, si vous héritez d'un nouveau travail, si vous héritez d'un enfant, et que très concrètement, un enfant, c'est pas livré avec le mode d'emploi. Donc, quand on devient parent, personne ne sait faire la première fois. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous avez l'impression de ne pas y arriver, si vous avez peur de mal faire les choses, si vous démarrez un nouveau travail ou quoi que ce soit, n'ayez pas peur, justement, de demander les choses. Si vous êtes amené à partir en voyage, en déplacement, pareil, n'ayez pas peur de demander qu'est-ce qu'il faut, etc. Renseignez-vous, hein. N'ayez pas peur de demander, demandez au contraire. Et nous avons ici le cœur brisé. Alors peut-être que le cœur brisé pourrait nous parler d'une peine de cœur, ça pourrait nous parler
pourquoi pas, d'une forme de rupture. D'ailleurs, ça coïncide assez bien, puisque je viens de vous le dire, hein, peut-être qu'avec votre Jules ou votre Juliette, ça c'est fini. Donc peut-être ici que vous allez rentrer dans une déception amoureuse, déception de quelque chose qui ne pourrait pas se faire. Mais voilà, ici il y a une forme de déception, et peut-être que c'est cette déception qui va déclencher l'envie de faire de nouvelles choses. Hein. Parfois, ça peut être un facteur. Quand on vit une rupture, quand on vit quelque chose qui se termine, eh bien il y a deux possibilités. Soit on tombe dans une profonde déprime, on n'arrive pas à s'en sortir, il faut plusieurs mois pour s'en sortir. Soit au contraire, on va réagir d'une autre façon en se disant, allez, je change de coiffure, je déménage, je fais ci, je fais ça, je change de vie, je change de tout, et ça permet d'aller mieux et de faire son deuil plus rapidement. Donc peut-être que ça peut symboliser ça. Et pour la petite prédiction, nous avons une évolution en perspective. Qu'est-ce que Jojo vient de vous dire? C'est pas moi qui vous parlais de progression, d'évolution professionnelle, de nouveaux statuts, de gagner des échelons, des promotions, etc. Hein? Eh bien voyez, on nous parle ici d'une évolution à venir. Allez, maintenant le mois d'août. Allez, le mois d'août, le mois d'août. Ah, on a le valet de coupe et le 5 de bâton. Ça nous parle d'un affrontement, d'un apprentissage, d'un rival. Pourquoi je pense à ça tout de suite? Je ne sais pas. Le valet de coupe, ça fait toujours appel à l'aspect d'apprentissage, hein, parce que les valets sont toujours des jeunes. Donc soit ça peut nous parler d'un adolescent, d'un enfant, ou ça peut nous parler de nous. Et effectivement, c'est plutôt logique, puisque au mois de juillet, on redémarrait quelque chose, hein, on redébutait quelque chose. Donc on est de nouveau dans une forme d'apprentissage. Donc peut-être que vous allez être dans cette forme d'apprentissage. Mais du coup, avec le 5 de bâton, ça me fait penser à un aspect de rivalité, d'affrontement. Quelque chose, soit vous allez, pourquoi pas, pour le mois de septembre, peut-être que vous avez une formation, ou le mois d'août, de formations qui seront programmées, ou quelque chose en lien avec les nouvelles décisions, les nouveaux choix que vous aurez pris. Et par conséquent, ça pourrait entraîner une forme de jalousie, de rivalité. Quelqu'un va profiter du fait que vous soyez novice en la matière pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et vraiment pour... Ouais, pour vous embêter. Alors, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément quelqu'un de méchant. Mais imaginons que cette personne voit en vous un potentiel rival parce que il a pu voir vos capacités, il a pu voir votre potentiel et que il sait très bien que vous êtes un rival sérieux et qu'il faut vous prendre au sérieux parce que vous pourriez le détrôner. Eh bien, il ne va pas se laisser faire. Hein. Donc, pour moi ici, il y a vraiment un aspect de rivalité, mais le fait de profiter d'une faiblesse pour vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Pour être dans une sorte de confrontation. Ah, oh, bah regardez, en plus, j'avais même pas vu la carte du Béline. Regardez un petit peu. On a la carte du procès, et regardez ce que c'est sur la carte. On a deux épées qui s'affrontent. Donc, peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait aller peut-être plus loin. Peut-être un dépôt de plainte, je sais pas. Peut-être un procès aussi qui va s'annoncer avec quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Peut-être que l'histoire va peut-être dégénérer. Peut-être. Mais en tout cas, sans parler de l'aspect procès, ça me parle ici d'une confrontation. Donc vraiment quelqu'un qui vous cherche des noises, quelqu'un qui profite de votre faiblesse ou de votre apprentissage ou le fait que vous soyez nouveau dans quelque chose pour vous embêter, quoi, pour faire... Il y aura une confrontation en tout cas. La confrontation, elle est là, c'est sûr. Vous devrez faire des compromis. Oh là là, mais c'est fou, on a... Oh là là, alors, le mois d'août, il est pas terrible, les amis, hein. Il est pas terrible, pas terrible. Parce que là, les anges nous disent, vous devrez faire des compromis. Donc, très certainement que si vous voulez vous débarrasser de ce problème, peut-être que vous allez devoir trouver un terrain d'entente. Il faudra peut-être faire appel à un médiateur, quelqu'un qui... voilà, quelqu'un qui essaiera de régler la problématique, ou alors, comme je vous le disais, ça peut passer par une voie judiciaire, pourquoi pas. Dans tous les cas, vous allez devoir accepter peut-être accepter certaines choses, puisque faire des compromis, hein, c'est le fait de renoncer à certaines choses pour eh bien essayer de faire plaisir à tout le monde, hein, eh bien ça va peut-être être ça, faire des compromis justement pour éviter la confrontation, peut-être pour éviter le procès, hein, pour éviter que ça parte en justice. Eh bien peut-être que c'est vous qui de vous-même allez mettre en place
cet aspect de médiation, cet aspect de faire des compromis, je renonce à ça, voilà, pour que tu gardes ça, voilà, hein, et faire en sorte que la situation puisse se vivre au mieux. Et en plus de ça, regardez la dernière carte, la carte du désespoir. Donc on est vraiment ici sur une situation un peu désespérée, c'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment le choix, hein, vous avez le choix entre la peste et de l'autre côté le choléra. Voilà, donc voilà, vos deux seules options, c'est ça. Donc à choisir entre le pire et le pire, et eh bien essayez de faire en sorte de choisir le moins pire, hein, voilà, c'est peut-être ça le compromis à réaliser, choisir le moins pire pour éviter le plus pire. Bon, ah bah franchement, mois d'août, pas terrible, terrible, hein. Et pour la prédiction, une nouvelle rencontre va se faire. Peut-être que cette rencontre, c'est cette rencontre qui est négative, qui va entraîner ici des problèmes. Et ça paraît logique, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le mois de juillet. Puisque je vous parlais de nouvelles choses, hein, que vous allez mettre en place, peut-être que vous allez déménager aussi, donc de nouvelles rencontres, hein. Donc faites vraiment attention à ça, parce que peut-être que la nouvelle rencontre que vous allez faire va, bah vous allez peut-être y laisser des plumes avec cette nouvelle rencontre, hein. Peut-être ici que ça pourrait nous parler d'un pervers narcissique. Donc soyez vigilants si vous êtes amené à faire des rencontres au mois d'août. Ne vous emballez pas, ne vous emballez pas, prenez le temps de filtrer, de trier, hein, et de laisser évoluer les choses et soyez toujours un petit peu en retrait pour être le plus objectif que possible, d'accord? Allez, ensuite, le mois de septembre, on reprend la rentrée. La rentrée, eh ben la rentrée, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus de sous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ben oui, mais vous avez tout dépensé au mois d'août, au mois de juillet, je vous avais dit de faire attention. Alors, le 5 de denier et le 4 de bâton. Bon, ici, ça nous parle quand même d'une difficulté financière, hein, d'une petite, d'une, bah oui, je vois la carte des plaisirs. La carte des plaisirs. Est-ce que par hasard, vous ne vous êtes pas trop fait plaisir, justement? Parce que, rappelez-vous, on avait un achat à prévoir. Bon, je vous avais dit que cet achat, il était utile, mais peut-être que cet achat coûte cher, hein. Si c'est par exemple une voiture, quand même, ça coûte un petit peu cher. Surtout si vous la prenez à crédit, ça vous engage sur plusieurs années. Donc, si on rajoute le prêt de la voiture ou les dépenses, etc., etc., faites attention parce que le mois de septembre, du coup, là, ça s'annonce en plus. Faites attention, il y a une double vigilance. Parce que regardez cette carte, je ne sais pas pourquoi, j'y vois une femme, comme ça, à travers un miroir, un portail, hein, et qui vient proposer quelque chose à un jeune homme qui vraisemblablement semble être très naïf et qui va se faire avoir par le côté séductrice de la dame. Donc il va tomber en plein dans un piège et pour moi ça pourrait m'évoquer ici un piège financier. Attention à une arnaque, un traquenard. Faites attention pour le mois de septembre de ne pas signer quelque chose qui pourrait vous engager financièrement, hein, parce que ça pourrait être un traquenard, une arnaque. Évitez aussi de faire les choses, de vous laisser aller au plaisir. Attendez, je vais m'expliquer quand. C'est là, c'est... je suis allé trop vite. J'étais en train de penser. Au fait, vous savez, quand on passe parfois une soirée et qu'on a un petit peu bu, on est comme ça un peu guilleret et puis on a l'esprit qui n'est plus tout à fait objectif. Et là, on lance des idées qu'on regrette le lendemain. Et bien voilà, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que attention, ne vous laissez pas porter par vos émotions, par le désir, le plaisir ou une pulsion qui vous engagerait après quelque chose qui vous poserait des problèmes. D'accord? Donc soyez vigilants. En plus, regardez le message des anges. Les anges nous disent, laissez vous guider par votre intuition. Autrement dit, si le truc vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Et ne le faites pas pour faire plaisir, ne le faites pas pour... Non, non, si vous le sentez pas, ne le faites pas, tout simplement. Vraiment, écoutez votre intuition. Si votre intuition est très bonne et que vous avez confiance, pas de souci, tentez. Mais si vous sentez le traquenard à plein nez, ne le faites pas, ne le tentez pas. Et en plus de ça, regardez, on a la carte de la clé ici, la clé qui nous parle du destin, qui nous parle d'opportunité, qui nous parle de réussite. Donc, il est possible que vous soyez face à un choix. Un choix peut-être qui sera, j'ai envie de dire, quitte ou double. C'est-à-dire, soit ça peut rapporter, soit au contraire, vous allez laisser des plumes, mais c'est un événement qui appartient à votre destin. Autrement dit, là, pour le mois de septembre, vous allez passer par une étape qui appartient à votre destin. Peu importe ce que vous ferez, peu importe ce que vous déciderez, vous allez arriver vers cette étape, une étape décisive qui va, oui ou non, vous engager et qui va, oui ou non, vous rapporter des choses et qui va, oui ou non,
possiblement vous ruiner aussi. Alors, vous ruiner, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tout cas, vous allez y laisser des plumes. Donc, faites attention. Et pour la petite prédiction, nous avons une bonne nouvelle. Bon, ben, voyez. C'est là où il faut faire attention, c'est que vous avez vu, on a quand même deux choses très différentes. On a une bonne nouvelle, donc il y a quelque chose, il va falloir en fait que vous fassiez appel à votre esprit de discernement, parce que vous allez avoir une bonne nouvelle d'un côté, mais qui risque d'être diluée dans autre chose, et ou alors cette bonne nouvelle va tellement vous mettre le cœur en fait, va tellement vous plonger dans une euphorie que vous n'allez pas voir le traquenard à côté. Donc attention à bien diviser la bonne nouvelle du traquenard, d'accord ? Ne mélangez pas les deux. Allez, maintenant pour... où est-ce qu'on en est ? Octobre, Samhain. Alors, Samhain, qu'est-ce qui nous attend pour Samhain ? Le 5 de coupe, formidable. 5 de coupe, ah bah là, 5 de coupe, ça nous parle vraiment d'une... De chagrin, de déception, de trahison, vraiment le fait d'être... Bah regardez, hein, regardez la carte, je vous fais pas un dessin, hein, voilà, la carte nous montre vraiment ici... un aspect d'être abattu, donc ça pourrait nous parler d'une forme de trahison. Oh bah oui, en plus on a la carte de la ruine. On a la carte de la ruine, formidable, ok. Donc Samhain, vous restez couché. Alors, donc on nous parle ici d'un événement qui pourrait vraisemblablement vous affecter, vous attrister. Ça pourrait, je dis bien ça pourrait. D'accord ? Mais ça pourrait peut-être nous parler de la perte de quelqu'un, d'un décès. Peut-être. Ça pourrait aussi nous parler d'une forme de libération. De libération parce que je vois les deux autres cartes derrière, on a quand même des cartes qui ne sont pas forcément négatives. Mais ici, si je me fie juste au tarot, on a pour le mois d'octobre une période un peu sombre qui va s'ouvrir à vous, une période qui va vous plonger dans un désarroi, dans du chagrin, dans de la tristesse et qui va vous faire vous replier sur vous-même. Vous allez un petit peu vous enfermer dans une sorte de bulle et vous enfermer dans une sorte de voilà de un mi-chemin entre nostalgie, tristesse, mélancolie, déprime, voilà. Mais pour moi, je ressens vraiment ici beaucoup de chagrin et une grosse remise en question. Et l'aspect de ruine, ça me parle vraiment ici de la perte de quelque chose. Alors attention, rappelez-vous ce que je viens de vous dire pour septembre. Est-ce que c'est la suite logique ? À savoir que vous n'avez pas senti le traquenard arriver, vous vous êtes fait avoir, vous vous êtes fait manipuler, la personne a profité de vous. Si par exemple c'est un pervers narcissique qui a joué avec vos sentiments et qui en plus a vidé votre compte en banque, bah ouais, c'est clair qu'il laisse derrière lui absolument tout en ruine. Le cœur, le compte en banque, votre vie, tout en ruine. Et ça ferait flic parce que quand même, toute l'année 2022, il y a des choses qui se sont établies, des choses positives. Vous avez quand même bossé dur pour faire tout ça et arriver à la fin et tout perdre, c'est vraiment dommage. Donc ici, pour moi, je le verrais plus comme une vigilance. Soyez vigilant à partir de septembre. Même à partir du mois d'août, parce que souvenez-vous, quand même, on avait cette rencontre. Hein. Donc pour moi, je pense que ça pourrait commencer à partir du mois d'août. Donc soyez vigilant à partir du mois d'août. Mois d'août, septembre seront vraiment décisifs. Deux mois qui seront décisifs dans vos relations sociales. On a quand même des cartes assez positives. On a vos rêves se réalisent de la part des anges et la carte des choix. Donc ici, vous serez confronté à faire un choix et selon les choix que vous ferez, vos rêves pourront se réaliser. Et tout simplement, pour faire les bons choix, encore une fois, laissez votre cœur parler, suivez votre intuition, suivez les signes, si vous en avez aussi. Mais là, on nous parle de concrétisation et de réalisation. En plus, regardez. Regardez quand même, on a, je trouve, trois cartes qui sont assez sombres et qui sont en opposé avec deux cartes qui sont lumineuses. Donc pour moi ici, peut-être aussi que ça pourrait évoquer un mal pour un bien. Peut-être qu'il faut passer par ça, par cette étape, pour réaliser quelque chose ou pour pouvoir prendre de nouveaux choix. Hein, peut-être aussi. Donc il peut y avoir une relation ici de mal pour un bien. Allez, la petite prédiction. Un accident important. Bah oui, l'accident important, on l'a là, hein, avec la ruine, avec le 5 de coupe. On a effectivement donc l'accident important. Je vous en parlais, moi qui vous parlais de décès, peut-être, je ne le souhaite pas bien sûr, mais bon, vous le savez, je vous dis les choses telles que je les sens, hein, je vous cache rien. Mais peut-être que un de vos proches va avoir un accident sérieux.
Ça peut être une maladie grave, ça peut être quelque chose de fulgurant, mais ici ça peut nous évoquer la perte de quelqu'un. Par conséquent, ça pourrait nous parler aussi d'une forme d'héritage. Peut-être que vos rêves se réaliseront grâce, entre guillemets, même si c'est pas beau à dire, mais peut-être que cette personne va vous allez hériter de cette personne, hériter d'une forme de je sais pas, d'une somme d'argent, de quelque chose qui vous serait utile, et c'est grâce à ça que une partie de vos rêves pourrait se réaliser, voyez? Alors oui, je sais, c'est pas joli de dire ça, mais c'est vrai, je veux dire, si la grand-mère elle a 3 millions d'euros sur son compte en banque, en décédant, et qu'elle vous lègue les 3 millions d'euros, vous imaginez tout ce que vous allez pouvoir faire grâce à la mamie? Donc vous voyez, ça peut être entre guillemets un mal pour un bien, ça s'emploie pas trop dans une situation pareille, parce que les 3 millions d'euros ne pourront jamais remplacer la mamie, qu'on soit bien d'accord, et à choisir entre la mamie qui est toujours vivante ou la maman ou peu importe, qui est toujours vivante contre la somme d'argent, ah mais moi c'est sûr que je préfère la maman. Hein, je vois ma maman, si elle décéderait, même si je sais qu'il y a je sais pas combien de millions sur son compte, je m'en fous, je veux pas de ses sous, je veux elle à mes côtés. Voilà. Mais voilà, ça peut permettre dans ce type de malheur que ce proche soit encore présent avec vous, avec cette main bienveillante qui vous aiderait à sortir de quelque chose et qui permettrait de pouvoir réaliser une partie de vos rêves. Voilà, ça peut évoquer ça, d'accord? C'est une possibilité parmi les autres choses que je viens de vous dire. Pour le mois de novembre. Alors, le mois de novembre, nous avons le 8 de coupe et l'empereur. Alors attention, le 8 de coupe et l'empereur, là le message il est très clair. Ne faites pas les choses de façon hâtive. Non, prenez le temps de réfléchir. Hein. Là on arrive en plus bientôt sur la fin de l'année. On a vécu quand même pas mal de choses, donc c'est le moment de commencer à faire un bilan, de faire une introspection. Donc ne vous hâtez pas à faire n'importe quoi. Ne courez pas comme ça dehors, vers l'extérieur, vers des nouvelles personnes, etc., etc. Surtout là, je viens de vous le dire. Il y a une possibilité de réaliser une partie de ses rêves, de faire des choix. Imaginez que vous venez d'hériter de quelque chose ou que vous êtes, je sais pas, tellement pris par le chagrin que lorsque votre deuil est fait, vous êtes là à consumer la vie, à brûler la vie et à vous dire il faut que je sois carpe diem, il faut que je vive au jour le jour. Donc du coup, vous faites tout et surtout n'importe quoi à tout flamber. Voilà. Eh bien non, ce n'est pas la bonne chose à faire, les amis. On a l'empereur et l'huit de coupe, donc réfléchissez avant de vous précipiter. Faites preuve un minimum de sagesse, prenez le temps de peser le pour, le contre avant de vous jeter corps et âme dans d'autres situations. Nous avons l'étoile de la femme. Donc l'étoile de la femme ici nous parle d'un lien avec une femme qui pourrait marquer votre vie au mois de novembre, une femme peut-être avec qui vous allez travailler, une femme qui va apparaître, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être... une femme bienveillante qui va vous sortir justement de votre situation un peu de tristesse et de chagrin. Voilà, ici une femme, hein, je ne vais pas vous évoquer toutes les possibilités parce qu'il peut y en avoir quand même des multiples. Les anges nous disent l'année prochaine, ça tombe bien l'année prochaine, on y est bientôt, hein, on est au mois de novembre, il reste plus qu'un mois. Donc ce qui veut dire que si vous avez de nouvelles choses, de nouveaux projets en tête, de nouvelles envies, attendez encore un petit mois et commencez sur 2023. Mais ne vous lancez pas tout de suite, hein, ça rejoint les cartes de tarot, le 8. Ne vous lancez pas tout de suite à corps perdu, patientez, attendez l'année prochaine. Et enfin, nous avons ici la communication, très belle carte. La communication donc qui nous parle hein, de communiquer. Peut-être que vous allez de nouveau vous réouvrir au monde, puisque je viens de vous le dire, vous étiez enfermé dans une bulle, donc là peut-être que vous allez vous réouvrir au monde. Ça pourrait nous parler d'échanges, d'échanges sociaux, d'échanges professionnels, de communication. Ça peut nous parler aussi d'exhorter. Quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi une forme d'appel à l'aide, hein. On voit ce loup qui hurle à la lune. Donc ça peut être aussi le fait de sortir ce qu'on a à l'intérieur de nous. Peut-être que vous n'aviez pas pu faire votre deuil correctement. Et là, vous allez pouvoir vraiment sortir tout ce qui est à l'intérieur de vous et l'exhorter, hein, tout simplement. Mais mois de novembre, branchez communication. Et pour la petite prédiction, on avait une femme, on a un homme. Donc est-ce que c'est un couple? Peut-être. Peut-être. Ou deux personnes différentes, un homme et une femme qui marqueront votre mois de novembre. Vous verrez de quelle façon. Et enfin, pour le mois de décembre, décembre, nous avons le 6 de denier. Ah, le 6 de denier, ça veut dire que ça va un petit peu mieux financièrement, hein. Et en plus, regardez, c'est drôle, on a l'étoile de l'homme derrière.
On a l'étoile de l'homme. Donc l'homme qu'on vient de tirer ici pourrait être encore présent sur le mois de décembre. Ou alors peut-être que l'homme ici sur le mois de novembre, c'est sur la fin novembre. Fin novembre avec transition décembre. Donc ici on pourrait avoir un homme qui va nous aider. Et en plus, donc le 6 de denier et l'ermite, c'est drôle parce que l'ermite du coup ça rejoint encore l'homme. Donc ça pourrait nous parler. Alors, on va évoquer tous les sujets. Le 6 de denier déjà évoque que ça va mieux. Financièrement ça va mieux. Oui, là vous avez perdu des ailes. Oui, là, vous avez perdu des plumes sur les derniers mois, mais ça va mieux. Ça va mieux financièrement, vous commencez voilà, à avoir une petite santé financière qui se remet tout doucement en place. Donc, ça vous permet même de pouvoir donner, d'être à nouveau dans le don, dans l'échange. Donc ici, voilà, on a une santé financière qui est en train de se refaire. Et ici, l'ermite nous parle que justement, avec ce que vous avez vécu les derniers mois, là, sur les mois de août, septembre, octobre, vous avez tellement perdu gros, vous avez tellement laissé certaines plumes que vous êtes habitué, en fait, à... L'ermite, c'est un peu comme la carte du fou, c'est-à-dire que il repart de nouveau... Regardez, je vous montre. Il repart de nouveau dans un nouveau voyage, mais avec plus de sagesse. Alors oui, comme le fou, de nouveau, il n'a plus grand-chose, juste le strict minimum. Mais entre-temps, durant son voyage, il a acquis plus de sagesse, il a acquis plus de maturité. Par conséquent, il ne se fera plus avoir comme il pouvait se faire avoir quand il était encore à l'étape du fou. Donc là, ça vous symbolise, c'est-à-dire que vous avez quand même pas mal roulé votre bosse sur 2022. Maintenant, vous avez acquis plus de sagesse, et surtout depuis... Là, le petit entourloupe qu'on vous a fait, vous ne vous laisserez plus avoir. Vous avez réussi à vous refaire une petite santé financière. Vous avez appris à vous contenter de ce qu'il vous fallait, de vous contenter du minimum. Et grâce à ça, avec la sagesse et l'expérience que vous avez acquise sur 2022, vous allez pouvoir de nouveau partir sur de nouveaux chemins. De nouveaux chemins avec cet homme, donc je ne sais pas, un homme peut-être dans le domaine amoureux, peut-être que c'est un homme qui va vous aider financièrement à aller mieux, peut-être que ça peut être un patron, je ne sais pas, mais ici il y a un homme qui va marquer votre mois de décembre. En plus de ça, on a les anges qui nous disent un cycle important touche à sa fin. Eh bien oui, c'est logique, on est au mois de décembre, donc l'année se termine et ça va être le moment de faire une introspection pour se préparer à repartir sur 2023. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a l'ermite. L'ermite, il vient de vivre tout 2022, il vient de faire un cycle complet. Maintenant, ce cycle s'arrête et il va être prêt pour partir sur 2023. Et pour la carte ici, on a la carte des commérages. Et oui, rappelez-vous ici, on avait la communication, communication au mois de novembre et commérage au mois de décembre. Ce qui veut dire, faites attention à ce que vous racontez, parce qu'il y en a, ils vont l'utiliser pour parler dans votre dos, pour les pia pia pia. Mais on s'en fout de ce qu'on dira sur vous. Continuez votre chemin, parce que les gens n'ont pas eu votre parcours, ils n'ont pas eu votre expérience, ils n'ont strictement rien à dire. Et enfin, on a un deuil à faire. Bah oui, le deuil, il est là, je vous l'ai dit, il est pour les mois précédents. Donc pour le mois de décembre, il y aura vraiment ce deuil à effectuer si vous voulez commencer une nouvelle année sur de bonnes bases. Voilà mes chers amis pour ces énergies de 2022 qui j'espère vous auront plu, énergies quand même qui sont très fortes et vous avez vu un petit peu la cohérence entre chaque mois puisqu'on avait des énergies qui se suivaient et on a vraiment ici un cycle qui je trouve est super intéressant. Bon, certains sujets n'ont pas été évoqués par les cartes, vous savez de quoi je parle, je ne vais pas employer les mots parce que sinon... ou alors peut-être que ça a été fait de façon discrète et subtile, ça sera à vous aussi de décrypter les signes. N'hésitez pas à me mettre vos retours en commentaire, puisque peut-être que vous avez capté certaines choses, alors vous essayez de me coder ça, vous ne mettez pas les mots diaboliques interdits, vous me codez ça, mais je trouve que 2022, du coup, dans sa globalité, est intéressante dans les énergies à venir, et donc à voir. Allez, si la vidéo vous a plu, les amis, je compte sur vous pour me mettre un pouce bleu, pour vous abonner, pour cliquer sur la cloche de notification, vous pouvez aussi rejoindre la chaîne de façon active. Enfin voilà, je compte sur vous pour faire tout ce qu'il y a à faire. Comme d'habitude, moi je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos avant l'année prochaine, promis, parce que j'ai encore des choses à vous faire avant l'année prochaine, promis.